Amen. Aleluia. Amen. Amen. Aleluia. Amen. We gaan nu onze methode veranderen. En dat God ons helpt. Zodat we verder kunnen gaan dan dit. Amen. Amen. Is er je blijdschap? Is er je blijdschap? Is your blijdschap? Is dat kloppen voor God? Is er Amen. 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 Dat God jullie eert. Amen. Que Deus o bénisse. Dat God jullie eert. Amen. Et pour la présence de chacun de nous dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse pour la présence de chacun de nous dans ce lieu. Dat God jullie zegen voor iedereen hier is. Et cela, il va se souvenir de vous. Amen. En hij zal aan jullie denken. Amen. Amen. Et nous allons continuer notre message. En we gaan verder met ons bericht. Ce que nous avons déjà commencé comme série. Die we vorige keer al begonnen waren. Et nous sommes maintenant dans notre troisième dimanche. We zijn nu op onze derde zondag. Et c'est le dimanche que nous sommes en train de parler sur le thème qui est. En deze zondag zijn we nu aan het praten over. Le thème qui est. Travailler pour la réussite. En de thema heet werken voor resultaat. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Travailler pour la réussite. Werken voor resultaat. Et comme nous avons déjà commencé la dimanche passé. En zoals we vorige week hadden gelezen. Et que non, zamne na biso azali zamne oyo azali kolokaba résultat favorable et durable. God is iemand die zoekt naar mensen met goede resultaten. Et Dieu moko il a travaillé pas seulement pour le travail, mais Dieu a même travaillé après d'avoir travaillé, il a vu que ce qu'il a fait était bon. God zelf heeft niet alleen gewerkt voor het werken, maar heeft ook gewerkt en heeft gezien dat het wat hij heeft gedaan goed is. Amen. Amen. Alleluia. En il a dit, la Bible dit que non, Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était bon. En de Bijbel zegt dat God vond wat hij had gedaan goed was. Amen. Amen. En ça demande que non, nous aussi en tant que les enfants de Dieu, quand nous travaillons, que nous puissions travailler pour l'excellence et non travailler seulement pour travailler. En als wij, als kinderen van God, moeten wij ook werken voor goede resultaten. Amen. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons continuer dans les mêmes, thèmes. En daarom gaan we vandaag verder in. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 5e. En we gaan nu onze Bijbel openen op het Genèse. Genèse. Chapitre 1er. Hoofdstuk 1. Et verset 1er. Alinea 1. Amen. Amen. Tout à l'heure, comme on a dit ce matin. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 1, 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit, oui, que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui on va essayer de parler de quelque chose. En vandaag gaan we praten over iets.
trois choses importantes. En ik ga over drie belangrijke dingen. Parce que on va continuer aussi le dimanche prochain pour parler des autres qui vont rester. En de volgende week gaan we praten over de twee die overblijven. Et première chose, on va donner première personne, c'est Dieu lui-même. Eerste wat we gaan, waar we over gaan hebben is. Ici, on parle seulement de Dieu. Hier praten we alleen over God. La Bible dit que non, la terre était vide et informe. De Bijbel zegt dat de aarde niet in vorm was. Et l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. En de ziel van God bewoog over het water. Et Dieu a dit que non, il faut séparer l'eau et la terre. En God vond dat het water moest worden gescheiden met de aarde. Et la Bible dit que Dieu a fait cela. En de Bijbel zegt is dat God dat deed. Et la Bible dit la terre était vide et informe, il avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. C'est-à-dire que la terre, il y avait toutes les ténèbres sur cette terre que nous habitons maintenant. En de Bijbel stond dat op de aarde overal slechte dingen waren. En mensen konden niet weten wat dat. Dus daarom moest God werken. Zoals we vorige week hadden gezegd. Is dat onze God. En en tant que Dieu travailleur, il a pris son temps. En als God werkt. D'abord pour que ce que je dois faire ne puisse pas être quelque chose que je dois corriger plus tard. Zodat hij kan zien dat wat hij heeft gedaan niet gecorrigeerd hoeft te worden. Mais il faut que je le fasse bien pour que cela quand je verrai, je puisse dire que j'ai bien travaillé. Et voici un bon résultat que j'ai eu sur la terre. En als hij werkt, zodat hij kan zien wat hij heeft gedaan goed is. En dat is wat God heeft gedaan. De Bijbel zegt dat God dag en nacht. En wanneer wij dit lezen. Zien we dat God en de tijd was hoe. De Bijbel zegt dat het één dag heeft. Parce que la Bible dit ici que non, c'était le premier jour. Alléluia. De Bijbel zegt dat het de eerste dag was. C'est-à-dire, je ne sais pas qui a travaillé 24 heures, où il a travaillé 8 heures du temps, comme tous, comme nous tous qui sont en train de travailler. Ik weet niet of hij 24 uur heeft gewerkt of 8 uur, zoals wij normaal ook werken. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a travaillé. Maar ik weet dat God heeft gewerkt. Amen. C'est-à-dire que nous aussi en tant que les enfants de Dieu. Dat betekent dus dat wij, zoals kinderen van God. Il faut travailler pour Dieu ou travailler pour que nous puissions avoir des résultats. Dus moeten we werken voor God. Laisse-moi te dire que. Laat me je zeggen. Et non, il n'y a pas un résultat sans un bon travail. Omdat er geen resultaat is zonder goed. Pour avoir des résultats, il faut travailler. Om goede resultaten te krijgen moet je hard werken. En als je niet werkt, krijg je ook geen goede resultaten. Dat is ook in de wereld. Degene die hard werkt, die eet. En degene die niet werkt, die niet. Dus heeft ook niet. La Bible nous dit que Dieu a dit pour que tu puisses manger, il faut que ça sorte sur les sueurs de ton front. Dat betekent dat als je wilt eten, moet je gezweet hebben. Et Dieu lui-même nous a donné un exemple. En God zelf heeft ons een voorbeeld gegeven. Que je ne travaille pas seulement. Parce que vous savez, les gens croient que. De mensen denken dat. Dat God gewoon zomaar werkt. Dat zijn dingen die. Dat pasteurs. Dus daarom gaat hij naar de kerk. Maar ce qui est faux, parce que quand nous lisons dans la Bible. Nous trouvons que Dieu a travaillé seulement des bonnes personnes qui
qu'ils avaient de travail ou qui avaient fait de grandes fonctions, mais Dieu les a pris de là où ils étaient pour qu'ils puissent venir travailler pour Dieu. In de Bible staat dat God belangrijke mensen heeft uitgekozen die hard werken en heeft ze dan voor hem laten werken. Halleluja. Amen. C'est nous aussi, il faut que nous puissions faire quoi? Travailler. Wij ook moeten zelf hard werken. Amen. Ça c'est première personne. Aujourd'hui, je vais faire que nous, je serai pas trop long. Je vais vraiment abréger mon message pour que nous puissions prendre aussi quelques minutes pour travailler. Parce que Dieu veut que nous puissions aller plus loin dans les profondeurs des prières. Prier aussi, c'est un travail. Ça c'est le passage de Dieu. On le passe parce que nous avons parlé pendant trois jours que Dieu a travaillé. We hebben drie dagen lang gepraat over God, dat hij werkt. Maintenant, deuxième personne, c'est l'homme. Nu, de tweede persoon is. Je pense que dans mon introduction de semaine passée. In mijn introductie van vorige week. Et je parlais que Dieu avait créé l'homme dans le jardin d'Eden. Pourquoi? Had ik gepraat over waarom God iemand had gecreëerd in de. On avait lu dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. We hadden gelezen in hoofdstuk van Genèse. Et la Bible dit. En daar zegt de Bijbel. La Bible dit que non, Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin pour qu'il fait quoi? Pour qu'il puisse cultiver et pour les garder. De Bijbel zegt dat hij een man heeft gecreëerd en in het paradijs heeft gezet om te werken. Et amen. C'est-à-dire que l'homme était mis dans le jardin d'Eden pour deux choses. Dus dat betekent dat de man gecreëerd was in het paradijs voor. Première chose. Eerste ding. C'était travailler. Was werken. Il disait c'était le travail. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il disait c'était un travail. Parce que ça demande des temps d'enlever toutes les choses mauvaises, de laisser de bonnes arbres, de tailler de petites branches qui sont déjà desséchées et pour que les bonnes branches puissent sortir. Alléluia. Amen. Ça c'est Pétro dire. Amen. Amen. Et donc, deuxième chose, c'était quoi? Garder. Le travail des sentinelles n'est pas commencé maintenant. Alléluia. Amen. Parce que les gens croient que non, notre travail que nous sommes en train de faire, ce sont des créatures des hommes. Mais ça a commencé depuis les temps d'Adam et d'Ève. Veel mensen denken dat het werk wat we nu doen is gecreëerd door mensen. C'est-à-dire que non, parce que, comme je l'ai dit dimanche passé, les hommes croient que non, travail c'est un résultat du péché de l'homme. Mensen denken dat werken een resultaat is van de. Mais sans savoir que non, avant que l'homme pêche, Dieu l'avait déjà donné une ordonnance. Et cette ordonnance c'est de travailler et de cultiver et de garder. Voordat de man slechte dingen ging doen, had God. Vous savez le souci de Dieu quand il avait créé l'homme. Weet je wat waar God zich het meeste om zorgt? C'était que non, l'homme puisse dominer sur la terre, comme lui il domine aussi dans les cieux. Was dat de mens over de aarde kon heersen zoals hij ook in de hemel doet. Parce que Dieu avait compris. Wat God had begrepen. Que dans les cieux, moi je veux. Dat hij in de hemel. Mais il faut que je crée quelqu'un semblable à moi. Maar ik moet iemand. Qui puisse flatter ce qui est dans les cieux sur la terre. Die kon heersen in de hemel en op de aarde. Et l'homme, c'est l'homme travers l'homme lui-même qui a donné ce pouvoir que Dieu nous a donné. En hij zelf die antwoord geven aan de man. Par cette histoire que nous connaissons tous, les fruits d'Adam et Ève. Het verhaal van de vrijheid van Adam en Eva. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Quand nous lisons la Bible, là, dans les psaumes, la Bible dit ceci. De Bijbel zegt. Je bénirai les fruits de ton. Ik zal de vrijheid zegenen die jij zelf hebt gemaakt. C'est-à-dire que non, c'est une promesse que Dieu nous a fait. Dat betekent is dat God ons iets heeft beloofd. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 13. We openen de Bijbel op Deutéronome. Qu'est-ce que la Bible dit? Wat zegt de Bijbel? Deutéronome, combien? Chapitre 2, verset 17. Oh, Deutéronome 7, pardon. 7, chapitre 13. Hoofdstuk 7,
Alinéa 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, tes portes de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te les donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On tourne d'abord dans le Deutéronome chapitre 2. We gaan terug naar Deutéronome hoofdstuk 2. Alinéa 7. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Wat zegt de Bijbel daar? Deutéronome 2. De chapitre 7. Car l'Éternel est ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans les grands déserts. Voilà 40 ans que l'Éternel est ton Dieu et avec toi. Amen. A manqué de rien. Alléluia. Amen. Mon frère et ma sœur, la Bible dit. The Bible says, ça c'est une promesse que Dieu ou bien il me rappelle que Dieu rappelait le peuple d'Israël. That was iets wat God steeds herhaalde. La Bible dit que Dieu a dit. The Bible says, je bénirai les fruits de tes entrailles. Dat ik de fruit. Dans le français courant, c'est-à-dire je bénirai les fruits de tes mains. Dat ik je werk zal. Le travail de tes mains, je le bénirai. Het werk van jou. C'est-à-dire que Dieu dit que non. Dat betekent dat God zegt. Pour avoir de bons résultats. Voor je resultaten. Il faut faire quoi? Wat moet je doen? Il faut travailler. Je moet hard werken. C'est quand tu travailles. Als je hard werkt. Travers le travail que tu es en train de faire. Via de werk die. Et moi, je vais maintenant te bénir. Zal ik je zegenen. Et c'est pour cela Dieu dit. En daarom zegt God. Je bénirai les fruits de ton travail. Zegt God dat ik. Parce que ça c'est le droit. Omdat dat mijn. J'ai dit que non créer l'homme pour que l'homme vive. Ik zei dat mens moet gecreëerd worden zodat hij kon werken. Et pour qu'il puisse garder. En zodat hij kon. Cette garde ou ce travail. Via dat. N'est pas un travail en vain. Is geen werk. Et il faut travailler pour un salaire. Maar moet werken voor een. C'est-à-dire que non, Dieu veut que l'homme puisse avoir des résultats dans son travail. Dat betekent dat God wil zien dat. Laisse-moi te dire que tu es en train de servir un Dieu de résultats et favorables. Je aanbidt een God die houdt van resultaten. Alleluia. Amen. Il a dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous. Hij zei tegen de kinderen van. Et que je vous ai béni. Dat ik jullie gezegend heb. Même dans le désert vous avez mangé. Zelfs in de woestijn. Même là où vous avez pas travaillé, moi je vous ai béni. Zelfs wanneer jullie het gezegd. Alleluia. C'est pour dire que non. Dat betekent dat. Vous savez notre problème c'est quoi? Onze probleem is. Nous savons pas la puissance, comme la Bible dit, la puissance est sur nos langues. We hebben, zoals de Bijbel zegt. Un homme ne veut pas prophétiser de bonnes choses dans sa vie. De mens wil nooit. C'est pour cela que je dis que non, prions aussi ceux qui ne travaillent. Daarom zeg ik ook bidden. Parce que prendre le temps même 30 minutes à prier comme nous venons de le faire. Want zoals. Ça demande du temps. Daarvoor heb je tijd nodig. Alléluia. C'est pour cela Dieu veut nous bénir. Daarom wil God. Mais il faut apprendre comment maintenant toucher le cœur de Dieu. Maar je moet weten hoe je. J'ai compris quelque chose que non, il faut commencer à prophétiser. Ik heb één ding begrepen. C'est pour cela quand je priais la nuit. En daarom wanneer ik van. J'ai dit à Dieu au nom de Jésus Christ. Heb ik tegen God. Que notre église ne puisse pas devenir l'église du chômeur. Dat onze kerk niet. Mais au nom de Jésus, comme toi tu m'as dit que non, tu béniras les fruits de nos mains. Maar nee, nou. Laisse que chaque travail, chaque personne puisse trouver les. Vous savez celui qui a la foi. Degene die. Ce que toi tu confesses, c'est cela qui va t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de résultats. Parce que nous n'avons pas la foi. Omdat we nergens. Et comme nous manquons la foi. Omdat we niet. Et Dieu moyen qui puisse agir, il n'y en a pas. Dan is er geen manier. Parce que Dieu veut quelque chose. Wat God wat één ding. Qui peut créer. Dat je. Ou une aimant qui peut se connecter à lui.
Voor iemand die zich kan connecteren met hem. Alleluia. Iets kan gebeuren. C'est pour cela il appelle aux enfants d'Israël. Daarom zei hij. Souvenez-vous. Je vous ai béni. Hij zei, ik heb jullie gezegend. Des fruits de votre travail. On n'a pas béni les enfants d'Israël. Ik had niet. Parce qu'ils étaient fainéants. Omdat ze niet aan het werk. Mais les enfants d'Israël étaient bénis par leur travail. Vous savez, quelqu'un qui a la foi. Iemand die gelooft. Et quand même toutes les choses commencent à devenir ténébrées. Alle dingen die hij. Mais lui, il a la foi. Maar hij blijft geloven. Parce qu'il croit. Want hij gelooft. Il sait que non, ce que Dieu a dit. Hij weet wat God. Quel que soit ce que l'homme peut dire. Maakt niet uit wat. Quel que soit ce que la femme peut dire. Zij wat ze vraagt. Mais je sais que non, ce que Dieu a dit. Maar cela va s'accomplir. Wat God heeft verteld. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut se mettre devant Dieu. Omdat niemand voor God. Personne ne peut empêcher Dieu. Faire ce qu'il veut faire. Niemand kan God. S'il a décidé. Als hij voor gezorgd heeft. Et ce qu'il a décidé, ça va s'accomplir. En dat zal ook gebeuren. Alléluia. Amen. Il dit que non, ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Hij heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Ce n'est pas le fils de l'homme. Hij is niet. Minimum l'homme pour qu'il puisse repentir ses paroles. Alléluia. Amen. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Hij is niet de kind van een man om te gaan liegen. Ni l'homme pour retirer ses paroles. En ook geen man om zijn woorden terug te nemen. Amen. 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 Alléluia. Dieu va t'aider. Il faut avoir maintenant la Bible, ok? Comme ça, on va commencer à lire ensemble. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela ici. Daarom zegt hij. Je bénirai seulement toi. Ik zal alleen zegenen. Het werk. Dans le Deutéronome 10, il dit: Je bénirai le travail de vous. In de Bijbel zegt hij dat hij. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes obligés de travailler. Comme je l'ai dit dimanche passé, notre problème chrétien, c'est quoi? Het probleem van ons is. Nous avons pris le slogan. We hebben alleen, we zeggen altijd dat God zal werken. Alors, même quand je fais rien, Dieu va faire. Zelfs als ik niks doe, zal God. Même quand je dors, Dieu va faire. Zelfs als ik. Mais sans savoir que non, il y a un principe dans la Bible pour que Dieu puisse faire quelque chose, il te demande aussi en retour quelque chose. Maar we weten niet dat voordat God hij. Les autres croient. Andere mensen denken. Et que non, je peux rester à la maison. Dat ik thuis kan blijven. Et comme j'ai déjà prié. En dat ik al. Et Dieu va faire maintenant me servir dans un plateau. Sur la table ou sur mon lit. Zal God mij iets geven op de tafel. Et comme ça, moi, je vais commencer à manger. En dan kan ik al. Mais laisse-moi vous dire que non, mais bien aimé, tu fais une fausse route. Laat mij jullie zeggen dat je iets. C'est que Dieu dit, il va bénir seulement le travail de tes mains. C'est pour cela que nous tous ensemble disons d'abord et que Dieu bénira le fruit de mes mains. Dieu bénira le fruit de nos mains. Alléluia. Amen. Dieu bénira le fruit de mes mains, pas de nos mains, de tes mains toi-même. Dieu bénira le fruit de mes mains. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est une promesse de Dieu pour toi et pour moi. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut vivre maintenant par la foi. Vous savez, dans le livre des Proverbes. In de Bijbel, in de boek van Proverbe. Zoals je ziet, nous lisons le livre de Proverbes 31, 10 à 16. Als we dat lezen. Et nous allons voir que. On parle d'une femme. Wordt er gepraat over. Laisse-moi maintenant parler aussi des femmes. En laat me nu praten. Parce que nous sommes dans le monde des femmes. Want we zijn de maat van vrouwen. Alléluia. Amen. Le proverbe dit quoi? Proverbe 31, 10 à 16. Mais c'est un devoir. Quand nous rentrons à la maison, allez lire cette proverbe du premier jusqu'à la fin. 31 du premier chapitre verset jusqu'à la fin. Amen. Je sais que nous faisons lire un proverbe. Maintenant, nous lisons seulement proverbe chapitre 31. Nous lisons le proverbe, hoofdstuk 31. Vanaf 10e verset. Vanaf alinea 10.
et toutes 16. Toutes 16. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de la valeur que de perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Alléluia. Et lui fait du bien et non du mal. Alléluia. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alléluia. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons cette femme? Est-ce que c'est une femme fainéante? Non. C'est une femme qui est assise à temps que son mari puisse venir la nourrir. Non. C'est une femme travailleuse. Une femme bossée. Qui ne dépend pas de son mari. Mais une femme qui veut que non son mari aussi puisse dépendre d'elle. Ma frau ist die Welt, dass her Mann ist. Mais bien aimé, c'est pour cela que je dis. Darum sag ich. Que non laisse-nous aller au-delà même ce que des hommes pensent. Alléluia. Amen. Parce que au milieu de nous il y a ce que Dieu a fait comme des femmes d'affaires. Et ce but de ce message, c'est pour encourager que non, si tu es appelé pour faire des affaires, fais-le au nom de Jésus-Christ. Mais si tu es appelé pour faire quelque chose, devenir comme je l'ai dit semaine passée, devenir comme une, je ne sais pas quoi, députée ou première ministre de ce pays, fais-le au nom de Jésus-Christ. Parce que notre problème, c'est quoi? Nous croyons que les autres choses sont pour les païens. We denken dat andere dingen die we doen. Et pour nous, c'est pas seulement pour prier. Voor ons is alleen. Mais oui, c'est ça, les chrétiens. Beaucoup de chrétiens passent comme ça là. Veel mensen denken dat. Non, politique, c'est pour les politiciens. Nee, politiek is voor politiciens. Et nous, nous sommes là pour seulement prier. En wij zijn om te bidden. Et ici, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait à quelqu'un qui voulait poser les candidatures. Mon frère, allez poser les candidatures. Et nous, nous sommes là pour vous soutenir dans la prière. Alléluia. Amen. Écoutez comment nous sommes en train de reculer. Autant que non, quand nous lisons dans la Bible, la Bible dit que non, l'homme comme le roi David, the man was, c'était un serviteur de Dieu. Mais qui était encore qui? Mais was ook koning. Être roi, c'est faire roi. Ce n'est pas de la politique. Alléluia. Amen. Non, les gens croient que non, être roi, c'est faire de la ministère. Ce n'est pas de la politique. Dieu nous a appelés, il dit, prospère à tous égards. C'est-à-dire, tous les domaines, il faut prospérer. Amen. Tu connais prospérer, grandir. God heeft gezegd dat alles wat we doen, dat we groot in moeten worden. Amen. Amen. Il faut prospérer à tous égards. We moeten groot worden in alles wat we doen. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, il faut que non, tu grandis. Dus in alles wat we doen. Mais ne fais pas le petit, mais fais-le grand. Doe het niet klein, maar doe het groot. Et que quand je travaille, comme je l'ai dit dimanche passé, il faut que je travaille aussi bien. Dus als je werkt, moet je ook. Comme Dieu lui-même, il a travaillé. Zoals God. Après, vous savez, il y a des moments où Dieu va courir. Le moment où tu vas commencer à t'asseoir et commencer à faire des bilan de ta vie. Et je ne sais pas quel est le résultat que tu vas présenter devant toi-même d'abord. Parce que si quelqu'un vient travailler, c'est la même chose même dans le monde. Pour bien travailler, ça demande une courage.
Om goed te kunnen werken heb je zelfvertrouwen. Mais ça me semble incroyable que nous les chrétiens n'ont pas de courage d'aller plus loin dans le travail. Maar het is ongelooflijk om te zien hoe christenen geen zelfvertrouwen hebben. C'est que nous croyons sa prière c'est suffisant pour que même l'ausent bureau ouvre ses portes pour lui donner le travail. Dat het uitzendbureau hem werk gaat geven. Amen. Amen. Prier, c'est pas mauvais. Bidden is niet slecht. Mais la Bible dit, maar de Bijbel zegt que cette prière soit accompagnée avec des actes. Dat bidden, dat het werken ook. C'est-à-dire, je prie. Dus dat betekent. Je la foi. Maintenant, je mets l'acte. Pour que ma foi maintenant entre en fonction. Amen. Alléluia. Dat Amen. Je functie krijgt. Parce que si je ne mets pas les premiers pas, wat als ik geen moyen d'expérimenter maintenant ma foi. Is er geen manier om mijn geloof te experimenteren? Je ne verrai pas cette foi-là se mettre en travail. Dan kan ik mijn geloof niet. C'est pour cela il dit, je bénirai seulement les œuvres de Dieu. Daarom zegt hij, ik zal degene tegen. Et cette femme travaille pour ses biens. En deze vrouw werkt. Il est en train même de chercher comment. Trouver une solution pour ses maris. C'est zelfs de manier. C'est pour cela la Bible commence. Daarom tu peux trouver une femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous appelle, nous sommes des épouses de Christ. Et Dieu ne veut pas de fainéants dans son travail. Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir. Dieu veut nous bénir. Mais il y a une seule condition. Il y a une seule condition. Er is één ding. Et cette condition. En dat ding is. Et c'est que travailler. Dat je moet werken. Et vous savez comme je l'ai dit dimanche passé. Et zoals ik vorige week. Quand quelqu'un ne travaille pas. Als iemand niet werkt. Il commence à devenir jaloux. Wordt hij jaloers. Et quand il devient jaloux. Dan wanneer hij jaloux. Il devient ton ennemi. Wordt hij vijand. Parce que ce que toi tu es en train de faire. Want wat jij doet. Lui il arrive pas à le faire. Kan hij niet doen. Ce que toi tu oses de faire. Wat jij wilt gaan doen. Que pour aller plus loin, il faut oser. Want om verder te gaan moet je. Là où les autres ont échoué, waar de mensen hebben gefaald. Et toi tu vas passer. Zal jij verder. Et ça m'étonne que non de voir d'autres gens. Ik vind het raar om andere mensen te. Il arrive au milieu de gens où là où il y a beaucoup de personnes. Ze komen op een plek waar veel. Oh, moi j'ai honte de les regarder. Ik schaam me om hen aan te kijken. Alleluia. Amen. Mais quand il y a honte. Maar als je schaamt. Le but que Dieu t'a donné. De reden is om. C'est de passer ces personnes. Dat je die mensen. Pour aller atteindre maintenant ta bénédiction. Om je, Mais parce que eux, ils sont en train de te regarder avec gros yeux comme ça là. Want hun kijken jou met. Et toi maintenant tu commences à regarder en bas. Non, moi je ne veux pas passer parce qu'ils sont en train de me regarder. Dan begin jij naar beneden te kijken. Alleluia. Amen. Dieu m'a donné mes yeux. God heeft ons ogen. Quand tu me regardes, moi aussi je te regarde. Wanneer je mij aankijkt. Parce que je sais que moi, il faut que je passe là où toi tu es. Want ik weet dat ik. Que tu sois sorcier ou pas. Of als je slecht. Que tu sois magicien ou pas. Of als je. Tu me regardes, je te regarde. Als je mij aankijkt. Alors moi, il faut que je passe. Dus ik wil langs. Et comme je dois passer. En als ik. En mes yeux et mes yeux, ils vont. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre problème. Je suis en train d'entendre parler maintenant spirituellement. Parce qu'il y a les égards spirituels. Parce qu'il y a peur, parce que ma tante est sorcière. Ah si je vais aller laisser mon diplôme là-bas. Ma tante m'a dit partout tu vas pour faire sortir cet diplôme. Il n'aura pas les valeurs. Zal die geven. Et moi je le dis. En ik zeg. Tu n'es pas Dieu pour décider dans ma vie. C'est-à-dire tu me regardes, je te regarde. Tu me parles, je te réponds. Amen. Alléluia. Parce que je sais, le Dieu qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est en moi. Alléluia. Amen. C'est pour cela.
Daarom. Nous avons un problème, comme je l'ai dit encore dimanche passé. Hebben een probleem zoals ik vorige week ook had gezegd. Les gens qui nous dirigent. De mensen die ons corrigeren. Même les autres qui sont maintenant nos patrons de travail. Zelfs de mensen. Ils n'ont même pas les mêmes capacités que celles que toi tu as. Hebben dezelfde. Ils n'ont même pas eu même l'éducation que toi tu as eu. Ze hebben niet eens. Ils ne savent même pas organiser même leur maison. Ze kunnen niet eens eigen. Mais comme ils savent, comme ils l'ont fait. Maar omdat hij d'aller là où les autres avaient peur. De gaan waar andere mensen. Alors il est devenu maintenant ton boss. Is hij nu jouw baas geworden? Il faut nous aussi nous puissions oser. Wij moeten ook overdenken. Halleluja. Amen. Le monde, c'est pour cela si vous voyez les gens qui ont eu les résultats dans ce monde. Même les grands hommes qui sont les plus riches du monde, zelfs de rijkste ter wereld, ils ont osé. Hebben gedacht. Si je dois tomber, als ik ga vallen, je tomberai. Zal ik vallen. Mais de toute façon, je vais encore recommencer. Zelfs als ik val, mais je ose d'abord. Maar ik zal eerst. Si c'était pas comme ça, als het niet zo was, tous les gens qui ont perdu leur argent, alle mensen die en les autres ne pouvaient pas l'investir encore, pour que aujourd'hui nous puissions les appeler les riches. Omdat wij heel rijk zijn. Mais parce que lui il a compris. Maar omdat hij begrijpt. Ce n'est pas que parce que lui il a échoué. Was veel omdat hij. Et que moi aussi je dois échouer. Dat ik ook zal falen. Ça c'est lui. Dat is hij. Là où lui il n'a pas osé. Waar hij niet. Moi je vais oser. Zou ik. Alléluia. Amen. Alors, le bien-aimé, je sais que cette parole wat ik nu zeg est venue pour toi et moi. Is voor ons. Parce que ceux qui nous ont dit qu'ils n'ont pas venu aujourd'hui, cette parole n'est pas envoyée pour eux. Is niet voor eux. Mais c'est seulement ceux qui sont venus aujourd'hui. Parce que je sais que toi et moi, wat God wil dat jij en ik, et nous puissions aussi. Et que nous puissions avoir une vision loin. Parce que quand Dieu a vu, want wanneer God, la Bible dit, Dieu dit que la terre était vide, hein, et fort. De Bible zegt, c'est-à-dire il a vu loin. Dat betekent dat hij, et que non jusqu'au fond de la terre, zelfs tot de eind, il n'y a pas une forme. Is er geen vorm. Alléluia. Amen. Et moi aussi faut que je vois maintenant jusqu'à la fin de la terre. Dat betekent ook dat et qu'il n'y a pas les formes. Dat er geen vorm. C'est à moi maintenant de donner les formes qu'il faut. Daarom moet ik zelf de vorm gaan geven. Alléluia. Amen. Nous prions, nous disons Dieu. Wij bidden en zeggen God. Oh, fais-moi les formes que tu veux. Maak van mij wat je wilt. Je donné déjà toutes les formes. God heeft jou vorm gegeven. Hij heeft gezegd, ik heb alles gegeven. Ik heb de kracht gegeven. Ik heb je. Hij heeft gezegd dat dus als je groot bent, dan heb je wat de devenir ministre, de devenir pasteur, de devenir bishop, d'être prophète, d'être professeur, ou président de la République, ça se trouve en toi. Parce que je veux que tu deviennes grand. Alléluia. Amen. Et ça demande que nous bien-aimés, nous puissions comprendre. Dat we moeten begrijpen. Et quand je dis, en als God zegt, c'est pour que nous puissions travailler dans ce sens que Dieu veut nous envoyer. Op de manier van God wil dat wij werken. Amen. Et le but de Dieu, c'est que dat nous travaillons fermement. Dat we werken. Si dans cette ville, als in deze toutes les églises qui étaient ouvertes sont fermées, les kerken die open zijn, c'est parce qu'il y avait personne qui pouvait oser de tenir même deux ou trois personnes. Om drie, twee of drie mensen. Maar wij, selon la parole que Dieu dit, wat God zegt in de Bijbel, nous allons zullen wij erover nadenken. God heeft gezien dat. En nous nous voyons que non, dans cette ville il y a vide que manque de forme. En wij c'est à nous maintenant de commencer à donner cette ville la forme qu'il faut. Alors nous avons pas, nous allons pas s'arrêter là. Dus nous allons aller encore plus loin. We gaan ook nog verder. Plus loin que le passé des hommes. Nog verder. Quand ils pensent que non, vous êtes fatigué. Dat et c'est là où Dieu commence à nous donner le courage qu'il nous faut. Wanneer God ons de et quand ils croient que non, nous n'avons plus la vie de prier. Wanneer c'est là où les
Saint-Esprit nous l'élève encore pour que nous puissions devenir encore l'intercesseur et les grands prêtres les prières. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut avoir pris. Daarom moet je ver kijken. Il a dit cette homme, cette femme. Hij heeft gezegd dit. Heeft là où d'autres femmes n'arrivent pas faire. Wat veel andere vrouwen niet konden. Heeft zij gedaan. Quand les autres attendent que leur mari aille travailler. Wanneer andere. Lui, elle, elle voit dans les champs. Gaat zij zelf. Pour chercher quoi manger pour ses enfants. Om te zoeken naar eten. Pour s'occuper de son mari. Om. Pour prendre soin de ses enfants. Om. Te werken voor haar kinderen. Alleluia. Amen. Que vraiment Dieu nous bénit. Dat God ons heeft. Parce que notre temps est déjà passé. Want onze tijd is al voorbij. Mais je vais m'arrêter là. Maar ik zou hier stoppen. Je parlais de trois personnes. Ik heb over drie mensen gesproken. On a parlé de Dieu. We hebben gepraat over God. On a parlé de l'homme. We hebben gepraat over de mens. Et nous avons parlé d'une femme En we hebben gepraat over een vrouw. Celle qui veut être vertueuse. Die hard wil werken. Une bonne femme. Een goede vrouw. Qui conduit son foyer. Die weet hoe die. Ce n'est pas une femme qui se manque de son mari. Is dit een vrouw die. Ce n'est pas une femme. Is... Qui est en train d'abandonner ses enfants. Die haar kinderen. Aan haar over een lot aanlaten. C'est une femme qui prend soin de sa maison. Maar dit is een vrouw die. Et dimanche prochain. Maar volgende week. Nous allons voir. Zullen we praten. Une autre personne très importante. Over nog een persoon. Parce que jusque-là nous avons pas parlé de lui. Want tot hier hebben we nog niet gepraat. Mais nous allons parler de cet homme. Maar we zullen het over. Et cet homme c'est Jésus de Nazareth. En deze man. Nous allons voir qu'il était le modèle parfait. Wat we zullen zien. La Bible dit il a commencé à travailler dès son petit enfant. God, de Bijbel zegt il était qui? Werkt vanaf kleins af aan. Il était qui? Toen was hij? Jésus. Dès son petit enfant, quel est le travail que Jésus faisait? Non. Son premier travail c'était charpentier. Même quand il a commencé à prophétiser dans l'église. Zelfs toen hij ging. Les gens disaient. Zeggen mensen. Mais c'est le Jésus là, le charpentier, celui qui a créé cette table que je suis. Maar het is de Jezus die. Qu'est-ce que lui peut nous dire? Wat kan hij ons vertellen? À cause de ces mots là qui est en train de faire, oui, ça vient du ciel. Of wat hij heeft. Et c'est ça ce que nous allons voir. En dat is wat wij. Alléluia. Parce que Dieu ne travaille pas des fainéants. Wat God mais werkt. Dieu travaille des hommes et des femmes courageux. Wat God werkt. Alléluia. Amen. Cette année, comme je l'ai dit, c'est une année de travail. Dit jaar, zoals ik had gezegd, is. Alors que Dieu puisse nous bénir. Dat God ons zegt. Acclamons le roi des rois pour la parole. Clapons le pour. Alléluia. 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 Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vous dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et pour la première fois, c'est bien. Amen. Amen. Et si on va commencer à le faire chaque dimanche comme ça là, tu vas avoir l'habitude du papa. Alléluia. Amen. Et tu vas encore aller plus loin. Et nous allons prier pour toi. Alors, mettons-nous debout. Iedereen opstaan. Et nous allons prier tous ensemble. We zullen met z'allen bidden. Nous allons prier. We zullen bidden. Comme Dieu nous a dit. Zoals God heeft gezegd. Tu connais là où tes faiblesses. Là où tu as des faiblesses. Je weet waar je zwak bent. Tu connais là où tu es limité. Je weet waar je gelimiteerd bent. Tu connais les problèmes qui sont en train de tourmenter ta vie. Je weet welke problemen. Mais ce que je te demande. Maar wat ik je vraag. C'est que toi. Is dat je? Voit devant celui qui a créé le ciel et la terre. Dat je voor degene gaat die dat. Dit je bénirai le travail de tes mains. Hij zei dat ik je werk. C'est une condition qui t'a donné. Dat is de conditie. Toi tu travailles. Jij werkt. Mais moi je vais bénir le travail de tes mains. C'est pour cela que nous allons prier. Daarom moeten we gaan bidden. Et que nos dieux ouvrent les portes qu'il faut pour une vie. Is dat God ou dans nos vies. In ons leven. Et pour que cette année nous puissions être des bons travailleurs. Zodat we in et nous allons profiter. En we zullen goede dingen. Là où nous travaillons. Waar wij werken. Quand on va chasser d'autres. Wanneer we andere mensen gaan. Mais nous nous allons rester au nom de Jésus. Zullen wij blijven. Mettons maintenant nos foi. Entre les mains de l'Éternel. Continuez geloven. Commençons à oser.
moeten nadenken. Jésus-Christ. Naam van Jezus. En nous prions tous ensemble maintenant. Je lui mets ça. Commence à prier, mes bien-aimés. Prie, mes bien-aimés. Alléluia, Jésus. Ô Père de gloire, merci pour cette parole. Merci parce que c'est toi qui as donné aujourd'hui cette occasion, opportunité à ton peuple. Pour que, Seigneur, nous puissions comprendre que non, tu n'es pas le Dieu fainéant. Tu n'es pas un Dieu qui aime s'asseoir et les autres travaillent pour lui. Même dans tous les résultats, ça demande des sacrifices. C'est pour cela que tu nous demandes de bosser. Tu nous demandes de travailler. Tu nous demandes, Seigneur, de faire le mieux que nous pouvons pour que la bénédiction puisse couler dans nos mains. Tu nous as déjà bénis. Parce que tu dis que non, je bénirai le travail de vos mains. C'est une, déjà une promesse que tu nous as fait. Comme tu as fait cette promesse, Dieu, nous croyons que Père, ces mains, ce sont des mains bénies. Nous savons que non, toutes choses que mes mains toucheront seront bénies. Parce que tu as dit, je serai avec toi et que je marcherai devant toi et je bénirai le travail de tes mains. Oh Dieu, maintenant je viens prophétiser dans la vie de mon frère. Je viens prophétiser dans la vie de ma sœur. Que Père, Rokosakababa Santa, Yekababa Sakaba Kurobobo, Chikababa Santa Makondobobo. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci Papa. Parce que je sais que nous sommes bénis. Que toutes les portes que le monde des ténèbres avait ouvertes pour mettre les gens au chômage, pour empêcher les gens d'aller plus loin, nous les fermons maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, Kamawashika, on va ordonner maintenant au diable de libérer. Délibérer les travails de nos mains. Là où lui il avait décidé, tu vas travailler bredouille et tu rentreras le même bredouille, tu vas dire, je travaillerai et je vivrai de mon travail. Parce que c'est la promesse de Dieu. Commence à confesser maintenant, à prophétiser dans ta vie. Commence à parler, parle maintenant au nom de Jésus. Parlons maintenant, parlons à Dieu. Parle à Dieu, mes bien-aimés. Parle à Dieu, dis les bonnes choses. Montre au diable qu'il n'a pas la place. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Alléluia. Tu es Dieu. Seigneur, tu nous as dit. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Tu nous appelles de gloire en gloire. Tu as dit, vous prospérerez à tous égards. Et je n'ai pas vu, Seigneur, là où tu as dit, tu travailleras et tu vivras pas des fruits de tes mains. Mais tu nous as dit, Seigneur, que tout ce que nous toucherons seront bénis. Laisse maintenant, Seigneur, cette parole puisse se réaliser dans nos vies, dans la vie de ma sœur, dans la vie de nos enfants. Même, Seigneur Jésus, dans les directions des écoles, là où les enfants vont pour Seigneur Jésus-Christ, éternel notre Dieu, pour étudier, nous te demandons de leur donner l'intelligence, qu'ils puissent oser là où les autres enfants n'ont pas osé, qu'ils puissent aller plus loin là où les autres ne s'attendent pas d'aller, au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole, mon Dieu. Alléluia. Merci pour cette parole, Jésus. Bedankt voor deze. Et nous croyons, Seigneur. En we denken dat. Tu nous as envoyé cette parole. Dat je ons hebt pour nous bénir. Voor om ons te zegenen. C'est pour cela que je te prie, Seigneur. En daarom bid ik tot u. Et que cette parole.
wat ik heb gedaan. Dat dit plaatsneemt in ons hart. En dat wij hierover kunnen praten. Parce que la Bible dit, wat de Bijbel zegt. Il a envoyé sa parole, heeft hij zijn woorden gegeven. La parole les a guéris. En de woorden hebben met d'une autre manière, cette parole a fait béni. En op een andere manier heeft zijn woorden. Wij zeggen dat jij cette parole nous a béni. En dat jouw woorden ont... Et nous les prophétisons au nom de Jésus. En wij gaan erover spreken. Et nous croyons que nous sommes bénis au nom de Jésus. Wij geloven dat wij zijn. Et nous croyons que cette parole va nous amener loin au nom de Jésus. Wij geloven dat ook de woorden ontwerpen. Toutes les personnes. En iedereen qui passait le moment difficile, die door problemen gaat, ou qui s'est posé des questions, of die zelf vragen stelt, il a trouvé une solution aujourd'hui, nu het antwoord parce que le Dieu des solutions est descendu au milieu de nous. Wat de God van là où éternel notre Dieu, waar God, et que moi, l'homme, je ne pouvais pas, Seigneur Jésus, passer, waar ik niet langs kon gaan. Et laisse que toi, tu puisses faire passer cette parole. Zorg ervoor dat wij, parce que la Bible dit, tu es le fondateur des cœurs. Tu es le fondateur des cœurs. Je bent de zegene van de hart. Et tu fais toutes choses comme bon te semble. Et doet alles hoe jij wilt dat het gaat gebeuren. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Avant que nous puissions donner les offrandes. Voordat wij geld gaan geven. Je vous demande où la Rosselle a mis notre prière pour la brodie. Que cet enfant Dieu puisse lui donner ma parole qu'il faut pour que tout le monde puisse plus loin. Amen. Et je sais que dans cela, il y a tout le monde qui est hollandais dans mon coin. Parce que tout ça, l'église, ce n'est pas pour francophone ou lingalophone. Il faut aussi viser maintenant Baolande. Amen. Au lieu qu'un de prophétiser ou pour évangéliser Nandakuya Hollande, Bengaye, Bokende Naye ensemble, Azawana Ponako, Yebisa Hollande, Akuka Koyana Katin Église. Amen. Et nous allons le faire parce que c'est Vision Zambapé Sabiso, Bao Toto Luka Kocha Awa, Diabla Zoki Misabango. Nzamba touche la motema ke yende akota na bisika wana. Amen. E na yebite soki bukokolo banini na oya uchuko sala. E pona premier jour asali bien. Soko amen. Asali etrale soko akoma na niveau ya kolanda papa plus vite. Parce que papa lingaka, papa aime aller un peu, hein? Mais ça va arriver, ok? Ça viendra avec le temps. Alléluia. Toto mboli maboko na biso likolo. Toto mbonde la pona mwana oyo au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Père de gloire. Je te bénis, je te Seigneur Jésus, je te glorifie. Parce que c'est toi qui nous as donné cet enfant comme un cadeau. Où il, Seigneur, promesse que toi tu voulais réaliser dans cette famille. Merci éternel notre Dieu, parce que c'est à cause de ton nom que cet enfant existe. Le hasard n'existe pas devant toi. Maintenant, nous te prions que cet enfant puisse être un modèle. Que tu mets, Seigneur, en lui l'intelligence, la sagesse et le courage qu'il faut. Donne-lui la parole qu'il faut, qu'il puisse demeurer dans ta parole, qu'il puisse lire la parole jour et nuit, et que papa, pour qu'il puisse travailler dans ce travail, je sais que ce n'est pas facile, le diable va commencer à le combattre, mais je le noie entre le sang de Jésus, et que toutes les flèches du monde des ténèbres, que le diable, Seigneur, lancera contre cet enfant, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je noie cet enfant entre le sang de Jésus. Et que, Seigneur, je prends la croix de Jésus et je le plante devant lui, signe de victoire. Par tous ceux
cet enfant, Seigneur, sera que ton esprit se l'encourage au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, commence maintenant à toucher. Commence à donner les paroles qu'il faut. Papa, Seigneur, amène cet enfant dans les dimensions où les autres se demanderaient si c'est lui ou pas lui, éternel. Confondre le monde et que, Seigneur, toutes, Seigneur, les choses que le diable pouvait faire pour empêcher que ce que tu as mis dans cette chanson ne puisse pas se manifester, nous prenons l'autorité sur cela au nom de Jésus-Christ. Père, je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux ici m'offrir un abisso et nous passons à communiquer. Amen.